Et l'esprit de ces ordonnances était de traduire l'attachement à une presse restaurée dans son honneur, sa dignité, son indépendance, d'où la volonté de revenir aux origines, à la loi de 1881. Et pour cela, elle a été précieuse de rappeler que la presse, ça n'est pas juste la collaboration, ça n'est pas juste la soumission à une idéologie destructrice. Donc cet esprit-là, il faut le rappeler toujours, et un idéal, c'est quelque chose vers lequel on tend, mais qu'on n'atteint jamais tout à fait. Donc je crois qu'il faut rappeler que c'était un idéal pour le reste, notamment pour ce qui est... Alors le retour à la loi de 1881, ça c'est un fait, la loi de 1881, dont on a fêté les 140 ans il y a peu de temps, il y a 3 ans, elle est toujours un des socles de la République, et quelque part on a mis fin à la parenthèse qu'avait été la collaboration. Et ça c'est très important. On en dira un mot tout à l'heure. D'ailleurs. Oui, et de même, qui est très important, le fait d'avoir mis fin à tous ces journaux, il y a près de 90% des titres qui avaient continué à apparaître ou qui étaient nés, qui étaient des journaux de collaboration, qui étaient directement soumis à l'autorité de Vichy et plus encore aux autorités nazies. Alors, c'est le cas de Paris Soir, c'était le cas du Matin. Voilà. Donc, des journaux qui souvent avaient une histoire glorieuse, mais qui se sont gravement compromis dans la collaboration. Et la volonté de ces ordonnances, c'est d'abord de mettre fin à cette période-là. Et donc, c'est une sorte d'année zéro, 1944. C'est pour ça que c'est l'année des ordonnances, mais c'est aussi l'année où la plupart des grands journaux français vont fêter leurs 80 ans. Oui, donc, voilà, il faut rappeler ça. C'est une année zéro et c'est en même temps un retour à la loi de 1881.